Cet homme a le fond mauvais. Hein. Non, c'est parce qu'on va encore dire, ça y est, il rattaque. Mais c'est pas moi qui vais vers les événements, c'est eux qui viennent. Moi aussi, j'aimerais bien avoir une vie normale et être aussi beau que Jérôme, aussi riche que Cody. Ah non, c'est l'inverse, oui. Non, non, c'est parce que, allez, pour la première fois de ma vie, j'ai pris le métro à Bruxelles. Oh là 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 là. Ces gens-là, ils ne marchent pas, ils courent. Vous me direz, à côté de moi, tout le monde court. Mais ils ne couraient pas, ils volaient. Hein. Il y a un type, il m'a bousculé pour rentrer dans le métro. Et attention, sur cette ligne-là, il y avait des métros toutes les 3 minutes. Hein. Mais le gars, quand il est monté dedans, et je me suis dit, celui-là, on dirait qu'il a l'impression que s'il ne prend pas celui-là, toute sa vie va basculer de l'autre côté. Que tout le reste de sa vie va changer, que sa femme va partir avec un garagiste, ou pire, que sa belle-mère va venir habiter chez lui, ou que sa fille va s'inscrire à The Voice, enfin. Toutes des biestrées, quoi. Tout ça pour 3 minutes. Attention, je comprends, il y a des petits villages en Wallonie, il n'y a qu'un bus le matin et un bus le soir. Là, je veux bien qu'on court, parce que quand tu le rates, t'as l'air biaise, hein. Mais l'autre avec ses 3 minutes. Attention, on a des choses à Liège aussi. Hein. J'attendais le bus place Saint-Lambert. Et c'est un arrêt où il y a beaucoup de bus qui s'arrêtent, beaucoup de numéros. Et alors, attention, on a une chose, il n'y a que ça à Liège. Enfin, un petit peu à Charleroi aussi. C'est que quand un bus est en retard, on ne se dit pas il est pris dans un embouteillage. On se pose la fameuse question, est-ce qu'il roule ? Et alors, on est dans l'abribus, là, avec 3 ou 4 personnes, là. Et on voit dans le regard des autres cette phrase-là passer. Est-ce qu'ils roulent les bus aujourd'hui? C'est terrible, hein, chez nous. Mais alors, j'attendais le bus, et il y a un homme qui arrive, il me dit, est-ce que le bus est passé? Je lui dis, ben, lequel? Il me dit, le mien. Oh, non, hein. Et moi, bien gentil, je lui dis encore, mais pour aller où? Et il me dit, chez moi. Oh, mais non. Pourquoi moi? Notez que ça me rassure, hein. Parce que je me dis que je ne suis pas tout seul sur ma planète. Qu'il y a des gens avec moi, que tout n'est pas perdu, mais... Mais en 2015, j'ai quand même intérêt à ne pas m'éloigner trop de mes tisanes, hein, moi, parce que... Il n'a vraiment tout dit que ça, quoi qu'il ne va, hein.